Bonjour et bienvenue sur Full Set NES, épisode 9 avec Zelda... attendez, là ça doit être beaucoup mieux. The Legend of Zelda, premier volet de cette très très longue série. Il y a des années, Ganon a volé la Triforce de la puissance. La princesse de Zelda avait la Triforce Wisdom, je ne sais pas. Qu'elle a divisé en 8 morceaux pour la cacher de Ganon avant d'être capturée. Donc maintenant, c'est à Link. À Link d'aller sauver la princesse Zelda. Premier volet de cette série. Alors, tous mes héros dans Zelda s'appellent G. Parce que quand j'ai joué à Zelda 3 la première fois, j'ai appuyé. On a le son, on enregistre. Allez, c'est parti. Pas d'armes pour l'instant. A et B, on voit le nombre de clés, le nombre de rubis, le nombre de bombes. Allez, c'est parti. Attendez, il est pas terrible. Je fais tout tomber. Bon, allez. Non, pardon, désolé pour cette petite interruption. Allez. Hey, la Hob qui nous a rejoint sur le chat. Donc, Zelda, The Legend of Zelda. Là, on vient de choper l'épée en bois. Quand on est full life, donc on peut envoyer des choses. Allez, c'est parti. Donc, 1985, The Legend of Zelda par... j'ai un trou. Il me faudrait un petit peu d'aide. Alors c'est marrant, j'ai le nom. Ah, le créateur de Zelda, Shigeru Miyamoto, voilà. Allez, les Zora, il va falloir un petit peu plus que... Aïe, tout ça pour le tuer. Bon, on va commencer tout de suite les hostilités. Ça, c'est une boutique, on peut acheter un bouclier. Et la bougie, j'ai pas encore la bougie. Bon, on a que 12 minutes, donc je vais pas farmer pour acheter la bougie. Je vais aller directement dans le premier donjon. Je crois que c'est le palais de l'aigle. Alors là, il faut brûler des arbres. Faut brûler des arbres pour rentrer dans une caverne. Donc Shigeru Miyamoto qui a eu l'idée de ce jeu en... Ouf. Ils font mal dès le début. Waouh. Il a eu ce... Ce jeu, en fait, ça représente son jardin, il me semble. Waouh. Allez, première mort sans avoir atteint en 3 minutes. Continue, allez, continue. C'est reparti, on a récupéré 7 rupies. Les méchants repop. D'habitude, quand je joue à Zelda 1, en général, je me blinde un peu avant d'aller dans le palais numéro 1. Et bon, là, pour l'émission YouTube, on va y aller un petit peu plus rapidement. Ah oui, le menu. Alors, on voit les différents objets que je n'ai pas pour le moment. La Triforce que je n'ai pas pour le moment. Et c'est reparti. Ouais, je disais, je me blinde avant. Ouh, il y en a un qui veut me faire l'arrière. Les fées qui étaient déjà présentes dans ce jeu-là. C'est hallucinant, nombre de choses qui existent déjà dans le... on va aller chercher des bombes. On va essayer de...
faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui étaient que l'on a vu pendant 20 ans dans la série des Zelda qui ont été posées dès le premier épisode. Les musiques déjà. It's a secret to everybody. 30 rupies. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'économiser pour... Non, je vais aller quand même au château, allez. J'ai des bombes, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Je pense que le... Les palais, il y a beaucoup d'armes aussi qui sont présentes dès le début. Le boomerang, l'arc, les bombes. Bon là, ça va pas être la salle la plus passionnante. Je crois que je vais avoir une clé, voilà. Alors, c'est un jeu où on peut acheter des clés. Vous pouvez acheter des clés si vous farmez avec des rubis. Rubis ou rupies d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, avec 3 cœurs, je vais pas risquer trop. Par contre, je vais prendre de la thune. Allez. Alors ça... Ça permet d'arrêter le temps et en fait tous les ennemis ne bougent plus. Ça par contre c'est pas quelque chose qu'on a revu dans les autres Zelda, peut-être dans les Zelda sur Game Boy, je me rappelle plus. Alors j'ai un peu en tête comment est le donjon, mais j'ai pas encore la carte. On aura aussi bien sûr la boussole et dans chaque donjon... un boss ainsi qu'un trésor, un équipement qui permet de continuer l'aventure. Il y a aussi des quarts de cœur qui ont commencé donc déjà dans le premier volet du jeu. Voilà la boussole avec Batman. Ah oui, il y a aussi, alors peut-être j'ai essayé de le faire. Donc là maintenant je sais où est le maître du donjon. Dans ce Zelda-là, il y a un espèce de boss par niveau, en fait, un maître des monstres. Et si j'arrive à tuer en premier ce monstre, et ben ça tue tous les autres monstres. Alors par contre, il n'y a pas de signe distinctif, il me semble, pour tuer en général ce maître des monstres. À moins que ce soit un bug, en fait, mais... Les petits blobs. Donc ouais, c'est clairement pas le donjon le plus... Et voyez, la mécanique de pousser les blocs aussi. J'ai dit, ah non, voilà, il faut que je tue. Aïe. Ah, voilà. Avec toujours la petite musique du secret. Là, c'est quelqu'un qui aime parler. Eastmoth Peninsula is a secret. Eastmoth Peninsula. Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire, Eastmost Peninsula? Ok. Alors, ah, je sais pas, je pense que ça va pour... Non! Ok, on réouvre. Ce système de pièces qu'on va retrouver après dans les Zelda sur Game Boy, dans Zelda 3... Alors, normalement, je peux le frapper et les boules de feu vont m'envoyer des... Enfin, les brasiers vont m'envoyer du feu. Voilà, il faut pas frapper les vieux. C'est un peu la morale du jeu. Hein. Enfin, en tout cas, de cette pièce. Allez. Ouais, on va retrouver aussi les tuniques. Il y a un système de tuniques. Ah, mais non, j'ai plus. Je suis plus full life. Donc je... Ah, ça, c'est dommage. Voilà. Maintenant, on comprend mieux pourquoi ça s'appelle le palais de l'aigle. Ah, va-t'en, le squelette. Alors ça, c'est de l'eau. Aïe. Le niveau... Non. Mais pourquoi c'est pas lui qui a mal quand il me touche, hein? C'est de l'eau et vous avez une... Oh non, ils font mal. Enfin, pour l'instant, ils font mal. Et ça nous donne un petit indice sur le trésor... Thank you.
sur le trésor qu'on peut trouver dans ce palais. À mon avis, dans la pièce à côté, on va trouver le boomerang. Attention. Ouf. Ouais, voilà, c'est vraiment hallucinant comme Shigeru Miyamoto avait déjà tout inventé à cette époque, et on est en 1985. Ah non, c'est l'arc, pardon. Alors, par contre, c'est l'arc. Je n'arrive pas à prendre l'arc. Je n'ai peut-être pas de flèche. Flèche. Ah, on est à bientôt la dernière minute du jeu. Tu t'es pas assez dépêché de frais. Bon, alors on va se dépêcher pour au moins voir le boss. Alors je comprends pas pourquoi j'arrive pas à saisir l'arc. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis... Ok, il y a une technique pour retourner dans les... Dans le menu. Au début du niveau, et ça je ne le savais pas. Ok. Donc. Bon, bah, du coup j'ai repris mes vies, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'en fait j'ai sauvegardé, je connaissais pas du tout. On va zapper, on va au moins aller voir le boss, histoire de finir cette émission qui en fait est déjà terminée. Ah, je vais un petit peu déborder. Comment on prend... Non, j'ai pas de clé. Si, j'ai la clé. J'ai super peur des petits blobs, mais c'est parce que j'ai 3 cœurs. Quand j'en aurai plus, ce sera un petit peu différent. Bon, de toute façon... Ah! Alors par contre... Ah, qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, j'ai récupéré le boomerang, ça y est. Par contre, je n'ai pas de flèches. Attendez, il me semblait que les flèches... Alors là, il faut faire attention à la main, la main, la main, la main du destin. Alors on peut les tuer, mais en général, ça repop. Allez. Pourquoi je ne peux pas... du boss, respiration. Aïe! Ouais! Allez, premier cœur et premier morceau de Triforce. Voilà, on va terminer l'émission. Émission YouTube là-dessus, sur une petite victoire quand même. Zelda Palais de l'Aigle, premier palais, c'est terminé. Voilà, je vous dis merci d'avoir visionné cette vue, et je vous dis à très vite sur Full Set NES sur Twitch ou sur Full Set Channel. Salut, merci!